Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 16 sur Horizon Forbidden West. Alors, les deux épisodes d'avant, t'as pu voir que j'avais pas de son. Alors, parce que j'ai fait des missions secondaires et c'est rare que je joue vraiment tard le soir. Et là, j'ai joué assez tard et je voulais pas faire de bruit en fait à la maison. Donc, j'ai tout simplement décidé de ne pas mettre le micro, voilà. En plus, c'était des quêtes secondaires, donc rien de bien important. Donc, tu as pu voir qu'on est passé en violet, donc en très rare. Donc, un arc de chasseur d'avant-garde, le précision delta, le lance-pic qui, franchement, est vraiment bien. L'arc de chasseur de foudre. Mais je l'ai trouvé celui-là. Ah ouais, j'ai dû le trouver quelque part. Que ça, j'ai pas pris. J'ai pris celui-là. Et le lance-carreau. Voilà ce que j'ai pris pour l'instant. Donc, niveau des quêtes, ça, il faut qu'on attende. Et si on essayait de se faire la principale? Bah écoute, on va se TP alors. Hein. On va aller là. Hop là, c'est parti. Donc niveau de la roulette d'armes, je te montre ce que ça fait. Ça c'est mon arc de chasseur. L'arc à courte distance, longue distance, lance-pique, lance-carreau et fronde. En plus, on a à peu près tous les dégâts élémentaires sur nous, donc c'est pas mal. J'espérais qu'on quitterait enfin cet endroit pour de bon. Eh bien, heureusement qu'Aloy est arrivé. On verra. Plus allonger leur séjour dans le désert. Si j'en crois, les propos devraient se trouver plus au sud. Troupeau de quoi? Je sais pas. Comment tu chopes ces conneries là? Un drone, sûrement du Sopazik. Si je récupère ces données, je pourrais le reconnecter au dôme depuis la base. Mais comment je grimpe là-haut? Ah, il faut grimper en plus. Ah ouais, d'accord. J'ai une nouvelle monture aussi. J'ai piraté un, je sais pas quoi là. Je voulais juste voir, est-ce que... Ça c'est une tenue que j'aimerais vraiment beaucoup. Mais pour l'instant, je suis pas prêt de l'avoir parce que il y a un site que je connais pas. Ah, ça je peux. Fourchette de hibou. Ah, ça je vais pouvoir faire. Bah, je passe un établi. Bon, c'est ici que devait se trouver le troupeau dont a parlé Morlund. Il a dû se déplacer. Je dois retrouver sa trace. Je ferais mieux de chercher des indices. Là, cette piste devrait me mener au troupeau. Attends, il y a un fragment de lume verte là. Puis j'en ai eu besoin de ça. Parfait, je garde cette lume verte pour plus tard. Mais non, mais...
Ok. Je sais pas ce que c'était comme bête, mais... J'ai même pas un troupeau de quoi, je me rappelle plus. Voilà le troupeau. Les machines devraient me fournir les pièces qu'il me faut. Oh putain, y a du monde. La gelée me servira à rien. Cette machine résistera. Alors déjà toi. Ça dégage. Faiblesse au feu et à l'électricité. One shot. One shot. Voilà, elles ont leur compte. Vous pouvez passer le troupeau. Je me repose ici ou je continue. D'autres machines? Je ferais mieux de m'en charger d'abord. Où ça, d'autres machines? À 500 mètres, faut que j'aille. Ok. Elle ne lui fera pas grand chose. Pouf. Par contre, pour aller le looter, celui-là. Entre ces tourbillons de sable, je pourrais en profiter. Putain, je l'ai loupé. Ok.
capsule. Bien. Bon, c'est bon pour les pièces de machine. J'ai plus qu'à récupérer la capsule d'air comprimé de la bulle de plongée de Morlund. Ah bah écoute, on y va. J'aime pas du tout quand il fait ce temps, tu vois rien. Parce que tu vois absolument rien, c'est relou. Ah bah regarde, en plus... Alors... munitions. Montre voir. Ok. La mystérieuse jeune femme s'approche. Non. Non. Comment tu plonges? Comment tu montes? Oh là! Non, mais... Je me suis foiré. Allez! Je devrais avoir toutes les pièces pour construire cette chose. Je ferais mieux de... Qu'est-ce que je peux faire pour toi, partenaire? J'ai tout ce qu'il me faut pour construire le... L'incroyable masque de plongée. Je crois que masque de plongée suffit. Comme tu voudras. L'atelier est à toi. Cool. Waouh. C'est une merveille. S'il fonctionne, je pourrais essayer. J'ai des objets très spéciaux à récupérer.
si j'arrive à ne pas me noyer. Qu'est-ce que tu cherches au juste au fond de cette eau ? C'est très compliqué. Quelque chose qui a perturbé le dispositif qui contrôle cette cité antique. C'est ça qui l'a inondé. Oh, je pensais que c'était notre faute. Comme une sorte de piège qu'on aurait déclenché en venant. Car tout d'un coup, les lumières se sont mises à changer. Comment ça ? Quelle lumière ? Les images dans l'air, projetées par les braises, que je veux récupérer. De petits projecteurs d'hologrammes. Au départ, il y avait des choses différentes. Des femmes, des jetons, des places superbes. Puis tout à coup, c'est devenu aquatique. Des vagues, des poissons. Il y a eu une lueur rouge. Et le rugissement de l'eau s'est fait entendre. Attends, une lueur rouge ? Oui, une lueur rouge. Venant d'un lieu près de la grille au sol, de là où est venue l'eau, comme une balise. Ou un signal. Merci, ça peut m'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance en bas. Bon, il est temps de voir si cette chose fonctionne. Si ça marche, je peux respirer correctement ici. Excellent. Mon masque de plongée semble tenir le coup. J'ai jamais pu plonger aussi profondément avant. Elle peut même parler. On dirait une issue. Poséidon se trouve quelque part en bas. Il faut que je découvre où il se cache. Putain, les bruitages sont bien faits. Gigantesque. Et tout est encastré dans un dôme. On va essayer de se coller au fond. Putain, il y a du courant. Tu fais comment là, con de toi ? Et ça commence à me gaver cette affaire. Je peux pas, y a pas moyen. Bah, il faut faire demi-tour, ouais, t'es bête, t'es marrante, et je vais où ? Arrête hein. Mais
La con de toi, si je peux pas aller là. Ah ça, peut-être. Je dis ça, j'en sais rien. Je peux pas. Là, une lumière rouge. Ça ? La vidange et que je draine toute l'eau, je pourrais affronter cette grosse machine sur la terre ferme. On dirait que je vais d'abord devoir réinitialiser quelques nœuds de pompe. Uh-huh. La carte, il devrait y avoir un point d'accès vers le premier nœud au sud d'ici. Ok. D'autres machines sont là. Je vais devoir nager parmi elles en me cachant. Voilà le point d'accès. Il devrait me mener vers le nœud de pont. Vers le nœud de pompe. Quoi, c'est là-dedans? On ne peut pas attendre le rebord d'ici. Peut-être est-ce qu'il y avait quelque chose pour sortir. Est-ce qu'elle a dit quelque chose là? Ah là. De moi. Je ferais bien de remonter en nageant et de trouver le point d'accès du second. Ok. C'est pas con ça. D'après la carte, le second nœud devrait se trouver de l'autre côté du dôme.
un autre point d'accès. Il devrait me mener au second. Je suis mort. Descends. Ok. Donc on sait déjà que... Oh, il fait chaud. Ça ne bouge pas. Peut-être que les débris le maintiennent en place. Chargé des deux nœuds. Il me reste plus qu'à activer la vidange d'urgence à la station de maintenance. Ok. D'après la carte, la station de maintenance devrait se trouver dans la partie sud du dôme. La lumière rouge dans cette tour. Elle est comme sur la console que j'ai trouvée. C'est peut-être la station de maintenance. Mais comment y entrer ? C'est ça ? L'acide serait efficace contre cette machine. Attends, je suis paumé là. C'est la lumière rouge là-bas? On dirait qu'une partie de ce bâtiment s'est effondrée. Ah. C'est peut-être mon ticket d'entrée. Oh, c'est quoi ça? Amas de lume verte. Je sors souvent de la lume verte. Je pense que je suis dans la station de maintenance. Je dois trouver une console et activer la vidange d'urgence. Ah, c'est prometteur. Il devrait y avoir une console ici. Là. Il est temps d'assécher cet endroit.
Ça a marché. Maintenant, je peux m'occuper de cette machine qui gardait la porte une minute. Des rebelles. Il va d'abord falloir que je m'occupe de ces types. Apparemment, la vidange n'a pas évacué tout l'eau. Allez, allons voir ça. Parce que c'est vrai que les déplacements sous l'eau, j'ai jamais été un grand fan dans les jeux. Bah là, ça va, ça se fait bien, mais... Si après vous vous entretuez entre vous, moi ça me va. Faiblesse le feu et l'électricité. Barre-toi l'affichage. Ok. Et attends, il est où le carapateur que j'ai éclaté là? Genre, j'ai pas pu le looter. Se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Aloy, c'est un miracle. Allez. C'est grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Que les vaillants aventuriers contemplaient la bête. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi? Mais t'es malade. Du calme. Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là. Et tirez dès que je passe à l'attaque.
Le gel et l'électricité. Et là, ma belle. Voilà. Zaidan devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. Je me rapproche de l'endroit où le truc de Zunda a perdu. Oh, c'est pas possible, putain. Seul un fouisseur serait capable de les repérer sous ce sable. Je pense que ça peut s'arranger. Là, je devrais pouvoir me servir de cette console. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée posée dans le grade d'origine. Voilà. Je dois rapporter ça à Gaïa. Redémarrage du système initié. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Morlund et son équipe ont dû retourner à la surface. Avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je parle. Bah, allons-y. Putain. Pollen de con là.
C'était pas par là. Oh putain, mais attends, je suis perdu, mon. Ah, attends. Voilà. Un ascenseur. Morlund a dû le construire avant que l'endroit soit inondé. Il marche peut-être encore. Ce serait bien de ne pas avoir à tout escalader. Ce serait mieux, ouais, fatalement. Wow. Le spectacle que grand-père a toujours vu. En voilà un autre. Son rêve enfin réalisé. L'héritage de son grand-père assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux. Et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas à qu'elles pouvaient ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais ? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Oh, non. Le spectacle est ici. Ah, oh, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles de ce lieu. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très variés. Et n'oublie pas, les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve, alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans l'immédiat, je dois rapporter Poséidon à Gaïa. Mais je pourrais d'abord aller voir Silga. Pour voir si elle a besoin d'aide pour décoder son signal. Et avec mon nouveau masque de plongée, je devrais pouvoir nager en eau profonde. Dès que j'aurai trouvé un endroit qui s'y prête. Silga, je sais même pas c'est qui Silga. Ben on va retourner à la base. On va save. Hop. On va ramener ce bordel là-bas. Ouais, je suis désolé. Avec ces de pollen, moi j'ai un nouveau médicament, il marche bien, mais. Toujours un peu la toux là. Oh non, toi tu peux parler, je m'en fous.
Attendez, je fais une petite coupure, je vous reprends. Ok, je vous reprends. Allons voir ce qui se passe. On profite pour lire un peu les dialogues aussi. Te revoilà, Aloy. Je vois que tu as récupéré Poséidon. J'arrive tout de suite. Aloy, j'ai réussi à débloquer d'autres pièces dans le bâtiment. D'accord. Merci. Il n'y avait pas une pièce ici, là ? Non, ça c'est chez moi, ça. Ah, la porte est déverrouillée. Quoi, c'était celle-là? Non, celle-là, je crois. On dirait que certains hologrammes fonctionnent maintenant. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre l'activité de Regala dans la région. Il y a beaucoup d'équipements ici. Gaïa? À quoi ça servait? Cette pièce a été conçue pour gérer les vastes stocks de graines du site. D'ici, les agents du centre de contrôle auraient géré la rotation des cultures dans les terres agricoles automatisées, qu'on appelle aujourd'hui Mélopée. Je vois. Ok. Alors, il est où, Varl? Quoi, elle est toujours en bas, ça. Je crois pas que cette porte était alimentée, mais... Ça a pas l'air de bien fonctionner. On dirait une sorte d'espace de maintenance. Oh, bah y a du loot. Je me demande où ça mène. Elle me demande bien aussi. Des batteries ? Ah mais attends, je suis con, il fallait peut-être que je prenne une batterie. Se sont allumés ici. Ça vient de toi? Oh. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Elle l'a beaucoup regardé. Je crois que ça l'aide à se calmer. Tu sais, je le regardais beaucoup, moi aussi. Coucou. Quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon que son papa aime. Mais tu voulais me dire quelque chose? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Hein, Beta? Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des zéniths
était peut-être différente des autres. Tilda, tu l'as vu. Au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les Zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerai un jour. Quand j'aurai assez appris. Et ensuite, un jour, un canal de données s'est ouvert dans mon interface de formation. Dedans, Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison, sur une falaise, qui surplombait l'océan. C'était magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois, elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta ? J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith Lointain et Aube Zéro. Elle connaissait Elisabeth Sobek, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Tilda ? Elle aimait bien parler de ses peintures. Et à propos d'elle, est-ce qu'elle a déjà parlé de sa vie sur Terre, ou de comment elle a rejoint les Zéniths ? Ce genre de choses ? Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même, et elle se fâchait lorsque je posais trop de questions. Mais je crois que sur Terre, c'était une experte en programmation, vu qu'elle a créé un canal que les autres Zéniths n'ont pas pu détecter. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit qu'on pourrait utiliser à notre avantage ? Ça a été la première véritable personne à m'avoir adressé la parole. J'ai pas cherché à étudier ses forces et ses faiblesses. Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite, elle n'est plus venue. Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait ? J'en sais rien, d'accord ? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Il y a un problème ? J'essaie, Varl. Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple. Mais là, elle fait vraiment rien pour aider. Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui, mais il t'a élevé et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment, mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Aube Zéro. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui. Mais j'y crois pas trop. Ok, donc maintenant, on a ça. La côte ouest. Ah, il faut que je sorte déjà.
Alors, moi j'aurais bien aimé choper ce long coup là. Parce que celui qui est là, je peux pas encore. Donc on va se TP par là déjà. Viens me voir. Tu rateras une belle affaire. Essayez de choper le long coup, on a dit. Ruby, sors de là. Sors de là. Allez. Oh la vache! Oh, c'est pas vrai! Et au bout d'un moment, la Fashion Week, là, ça commence à suffire.
Bon. Allez, mange-toi ça. Saloperie. Putain, ils étaient chauds, eux. Merde, il est crevé, ma monture. Bon, ben, voilà. Prendre ça tant que je peux. L'électricité ne servira à rien. Un gyrodose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose ? J'ai une offre honnête à te faire. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je vais bientôt me transformer en glaçon. Bon. Reprenons. Hop là, feu de camp, c'est bon. Thank you.
saisir l'occasion. Tout ce que t'as, toi. Quelque chose envoie un signal par ici. Ça doit être le grand coup qui envoyait le signal. Un village de Ténac de la plaine. Il a l'air abandonné. Est-ce que tu crois que je peux y arriver ? Permettre de grimper sur ce grand coup, si j'arrive à atteindre le sommet. Ah la con de toi ! Les pattes sont trop difficiles à escalader. Je dois trouver un autre moyen. J'aurais pu, hein. Genre là tu peux réellement pas monter là. Avec le feu, je lui ferai plus de dégâts. Vraiment. T'as eu de la chance, salopard. Oh, je l'ai touché. Mais attends, genre par où je peux monter là ? Un village de Ténac de la plaine. Il a l'air abandonné. Mais il pourrait me permettre de grimper sur ce grand coup, si j'arrive à atteindre le sommet. Ah ben voilà !